de cette édition, dans la péninsule coréenne, le nord et le sud ont convenu de tenir un autre sommet à Pyongyang dès septembre. Si ce projet voit le jour, Moon Jae-in deviendra depuis plus de 10 ans le premier président sud-coréen à se rendre dans la capitale de la RPDC. Cela marquerait également la troisième rencontre en personne entre le président Moon et le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un. Les discussions de haut niveau se sont tenues dans la partie nord du village de l'armistice de Panmunjom plus tôt dans la journée. Les responsables n'ont cependant pas divulgué le contenu du sommet. Le voyage de Moon Jae-in à Pyongyang avait été proposé pour la première fois lors du sommet historique entre les deux dirigeants en avril.